Ma chérie Vanessa, tu vois que tout laisse. Toi aussi, des fois, ça te laisse. Moi, sincèrement, je viens même pas me moquer de toi. Tu es une très belle femme intelligente. Moi, je t'ai connue depuis Facebook dans une vidéo où tu mangeais le tabac. En tout cas, c'est là où moi, je t'ai connue. Et puis, je t'apprécie beaucoup. Mais moi, je voudrais juste faire un petit rappel par rapport à la vidéo que tu avais faite dernièrement où tu disais que non, un homme qui te donne pas de l'argent, faut le quitter et tout et tout. Moi-même, je suis d'accord. En tout cas, là, je suis d'accord. Un homme qui a de l'argent et qui ne donne pas à sa femme, en tout cas, il ne mérite même pas d'être en couple. Mais je voudrais rappeler aussi à ces femmes-là qui sont battantes, intelligentes, ambitieuses, que dans une relation, la priorité, ce n'est pas seulement l'argent. Certes, l'argent donne le bonheur, oui. L'argent fait le bonheur, oui. J'en disconviens pas. Mais il faut savoir qu'un homme tombe amoureux chaque jour. Mais une femme, elle a droit à tomber amoureuse qu'une seule fois. Quand tu tombes amoureuse une seule fois, surtout dans le mariage, ou soit quand tu fais des enfants, c'est fini pour toi. Certes, c'est pas la finalité de faire des enfants et tout, mais il faut savoir que dans une relation, tu peux pas être un instrument de plaisir. Tu peux pas être un instrument de faire des enfants juste parce que ton homme a besoin des enfants ou soit parce que tu es belle, tu vas ressortir des beaux enfants et tout. Non. Il faut savoir que on doit te faire des enfants par bonheur, par amour. C'est ça. En tout cas, les hommes qui frappent les femmes, là, moi, je suis contre. Certes, des fois, les femmes abusent, mais il ne faut pas frapper la femme. En tout cas, moi, je suis contre. Des fois, tu vas voir vraiment monter mes souki, mais faut toujours avoir la maîtrise. En tout cas, grosse force à toi, Nzamba Sungayo, que Dieu te guide et tout. J'espère que vous allez arranger avec ton homme. En tout cas, grosse force à toi, Vanessa Sondele. On est ensemble, c'est de la part de Gédéon Nzamba Petit.